Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Richesse. Et aujourd'hui, nous comptons avoir pour une autre fois et pour nous porter ça qui est passé dans le market là pour aujourd'hui, mercredi. Et nous allons parler de qui Jean Market là a performé dans plusieurs pays. Et nous allons parler qui s'est sorti après et Fed meeting là qui est aujourd'hui. Nous allons parler de et report Tesla. Et nous allons parler qui s'est marché bien aujourd'hui. Et cinq bagailles où tu as dû connaître et avant de commencer à investir dans le stock market. Nous disons merci de faire que choisir regarder vidéo ça. Et si vous joignez un bagaille qui est utile, nous demandons ben nous yon et like. Nous demandons tout pour partager vidéo ça dans toutes les social media pour les amis ou famille pour apprendre qui gens pour investir pour bâtir un meilleur. T'as qu'à faire, t'as qu'à faire. Oui. N'est-ce pas, je veux dire, c'est le troisième soutien nous pour la question et Wapop Market. Là. Et nous avons tout profité de nous, nous avons toujours eu Wapop chaque jour. Nous avons toujours venu présenter ce qui passe sur le marché pendant la journée. Pas tout le bagage, mais quand même, grand point qui domine l'actualité sur le marché. Mais nous ne pouvons pas prêter trop. Regardez pour nous ce qui est passé jeudi. Jeudi encore, le marché a clôturé dans, dans le rouge. Bon, je dois dire, jeudi, la baisse jeudi a beaucoup plus modéré par rapport avec ça. Mais quand même, le marché a fini journée dans le rouge. Mais ça continue à paraître, c'est que dans le commencement de journée, vous avez senti que le marché a envie de reprendre. Presque tout indicionnette. Tu es dans le vert, mais ça va venir passer après réunion Fed là, en fin journée, en bas, dans la zone 2h30, et nous voyons que la TVN finit par couler. Et, mais, je nous ai dit, et performance, nan, nous avons résumé comme performance méfique des raisins, et perte, je dis, li, plus ou moins mesurée. Nous avons regardé Dow Jones qui a enregistré. On perd de 0,38%, qui est un petit peu modéré par rapport avec Jean Cornier dans le jour précédent. Nasdaq qui prend 0,02%. Nasdaq, et malgré liquidation en fin journée, l'IKB pour rété dans le vert. Nasdaq, tout qui était supporté, je dis, par rapport Tesla et puis par achat. Qui par emballement investisseur yo gen pour Microsoft et puis globalement SP500 qui représente 80% marché action américain li baissé de 0,15%. Okay. Et l'autre bagay tout l'autre élément que moun touche intéressé là jodi a baissé de 0,58% et puis et pétrole li baissé de 0,08%. Kounye la, mais contrairement avec marché US là, et c'est pratiquement constant inverse là nous fait dans marché européen côté que tout indice net, tout indice et boursier dans zone euro a tout net clôturé dans le vert. FTSE et les clôturé dans le vert. FTSE qui c'est un grand indice Royaume-Uni. Li clôturé à 1,33%. Et DAX, li clôturé dans et vers le haut avec une hausse de 2,22%. CAC 40 indice français, li enregistré en hausse de 2,11%. Stoxx 600 qui regroupé ensemble et actions qui en dans zone euro. Et li augmenté de 1,68%. Donc, c'est pratiquement et marché boursier européen qui font seul bondi, je ne veux dire. Mais il y a deux barrières pour nous comprendre. Ça fait marché boursier a toujours été aussi par rapport et avec marché américain. C'est que il a clôturé plus bonheur que marché américain. Pas oublier, ils ont eu pratiquement 6 heures de temps en avance et 5 à 6 heures de temps et même des fois 7 heures de temps. Par rapport avec le marché américain. Donc, qui vient fait que, Pablo nous dit dans le matin, le marché boursier américain a démarré dans le vert. Et le fait que le marché boursier a démarré dans le vert, investisseurs
européen, on peut penser comme si dynamique n'a pas été net. Donc ça que tu viens faire, tu toujours continuer acheter et tu continues toujours acheter pendant juin. Donc ça vient faire même clôturer dans le vert, mais pas étonné demain si toutefois pas une bonne nouvelle que marché boursier et européen, il finit par clôturer dans le rouge parce que il pral finir par rattraper réalité marché boursier américain. États-Unis. Exactement. Qu'on est à l'ambassade et nous voilà les derniers markets qui intéressent le monde, c'est marché asiatique. Yo. Et marché asiatique, yo, comment ça y est? Nous avons un indice Shanghai là, et qui clôturé dans le rouge, malheureusement. Nikkei, qui c'est indice japonais, malheureusement, il clôturé dans vers la baisse. Avec une baisse de 0.43%. Nous avons Kospi qui clôture dans la baisse avec 1.09%. Et nous avons dit pour tout le monde, pendant que nous avons enregistré la vidéo, le marché boursier asiatique a ouvert. Et Kospi, pendant que nous avons dit, a une baisse de 1.11%. Donc, ça qui passe, c'est que le marché a rattrapé la réalité boursière. Et américain. Donc, et nous connaissons le marché boursier américain, c'est licencié par cadence avec tout le marché mondial. Aussi, depuis le marché boursier américain mal fonctionné, reste marché dans le monde, dans la tendance pour mal fonctionner. Nous parlons pile sur le marché, nous faisons comprendre la dynamique. Nous sommes tombés directement dans la réunion Fed. Je vais vous dire, nous avons pour une fois pile parler sur ça. Ça tombe même dans la réunion Fed. Mon cher, et. Mais dit Fed là en général li dit ça moun tap tann yo di et gen deux termes yo utilisé pendant n'ap fè émission tout nou ta aimé ap moun yo apprendre tande yon série de termes que yo tande ki utilisé nan market la en pile et yo en pile moun te pensé que jodi en Fed là ta dwe hawkish et a vrai dit ça tap tann nan c'est ça qui est les nous tande parler de hawkish là gen sa rele dovish ou bien hawkish. Hawkish c'est le yo prévoit augmenter intérêt pour yo ka et yo favoriser high interest rate pour ka kembe inflation nan check. Là on parle de dovish là c'est le yo ontijan et ralenti sous increase interest rate yo. Donc pour ka et stimuler ça le spending na économie. Donc yo tap tan pour Fed la hawkish, li hawkish, but men gon green bagay ki passe que monsieur dit qui fait market la pa trop remel, ta veut dire suspect gen droit gen plus bagay derrière ça c'est que c'est réduction balance sheet là que et monsieur et Powell dit que il va accentuer sur ça. Et bon, effectivement, moi c'est que oui, moi c'est que vous dites exactement ça qui était fait déjà et merci un pile pour rappel là pour vous faire pour nous parce que deux termes ça aussi deux termes qui pratiquement redondants dans cadre et interprétation réunion Fed là. Dovish avec hawkish. Yes. Et en résumé, mon gars dit mon yo, Léo dit Fed la dovish, c'est que Fed la pratique en politique monétaire flexible, côté que comme si la facilité comme si liquidité et bien après ça li kembe intérêt bas. J'en te dis hawkish là, c'est là que comme si Fed la pratique en politique monétaire restrictive, côté que gain de façon de doit faire politique monétaire restrictive là, ils font tapering ça veut dire li réduit la quantité de liquidité de compte by marché a et puis deuxième façon qu'a fait ça tout c'est les li augmenter taux d'intérêt a mais ça vient passer ça fait que comme si fait de la ville pratiquement dans situation difficile c'est que li pas ca décevoir marché à trop mais comme ça tout li pas ca quitter inflation dégringoler non j'ai noté dit dans petit coup de vidéo hier là c'est que inflation presque inflation atteint 7%. Or, nous connaissons comme si le target normal inflation aux États-Unis, c'est 2%. Et Fed la pas qu'à quitter l'inflation hein, et à dépasser le target là dans le niveau. Parce que Fed la gagne comme obligation, comme mission, premièrement, c'est
maintenir stabilité et comme si et financière en économie, et puis deuxième bail, faut qu'il combatte pour inflation comme si pas dégringoler qui a créé comme si et crise économique parce que et inflation c'est pas jamais bon bagaille, inflation automatique depuis qu'il y a inflation il baisse pouvoir d'achat monde qui plus pauvre yo et donc l'inflation baisse pouvoir d'achat monde qui plus pauvre, c'est plus grand goût, c'est plus misère, donc il fait de la donc il gagne pas pour obligation et fait en sorte que inflation pas dépasser target là. Et mais il y a un autre bagaille qui censé d'après un article et bon c'est un journaliste Bloomberg qui est Mohamed Alergan qui écrit, monsieur dit comme ça dans l'article, là, monsieur dit comme ça, Fed does what expected not what is needed. Il dit que comme si Fed là fait exactement ça ou t'avais attendre mais il pas fait ça mon besoin parce que tout le monde devait connaître que comme si Fed là d'avoir gon comme si déclaration politique monétaire qui t'a plutôt hawkish. Mais mon yo jamais que la mal démarré pendant année là mon était besoin plus espoir dans Fed là de façon même s'il te gagne droit dire il a augmenté taux d'intérêt mais il te gagne droit dire la kembi la il pas pris du balance sheet li considérablement ou bien il te gagne droit dire la font tapering mais on tapering modéré mais les Fed là de la pratique trois mesures non seulement la hike taux d'intérêt et bien sûr la reduce et asset li di kon achete sou manche et puis après ça la reduce balance sheet li donc c'est pratiquement revenir dans situation et hawkish qui fait que investisseur yo et peur ça qui ka venir dans jou ki a venir et bien n'a pas manquer tout et je dis a nous gain et bon du trésor américain yo T-bills yo qui augmenté de 1 pour et qui augmenté de 1.80 pour et 1.85%. Donc si et bon du trésor américain pour 10 ans, il augmenté 1.80%. Chaque fois qu'on il augmenté 1.80%, c'est parce que 1.85%, c'est parce que et il y a gain espoir que comme si Fed là pour remonter taux d'intérêt. Son bail qui tout à fait mécanique. Début taux d'intérêt augmenté, ça vient faire qui ça, ça vient favoriser et bon du trésor parce que taux d'intérêt c'est généralement taux long, c'est taux qui est appliqué avec obligation, donc automatiquement taux d'intérêt augmenté, donc il vient rendre obligation plus attractif et depuis obligation plus attractif ça va créer une sorte effet de substitution sur le marché, plus liquidité pour aller diriger vers et obligation que diriger vers et action. Donc nous n'a toujours fait ce rappel et académique ça pour moi pour comprendre dynamique marché là. Nous pas seulement faire résumer ça qui s'est passé, mais n'a toujours entré dans bagage théorique académique de façon à ce que pour moi mieux cerner dynamique et marché là. Bon, n'a passé dans troisième point là. Donc c'est aujourd'hui c'était rapport Tesla et Tesla qui et là nous bien garder qui bat et ça a été prévoir que les gains pour la revenu earning li te pensé que l'a gain dans mois ça, donc Tesla li bat moi quoi était prévoir que l'a 16.64 billion bat li rivé yep. Bat li rivé gain revenu de 17.719 billion. Mais ça qui une nouvelle qui vient belle tout c'est que adjusted earning per share là il était 2.54 gounya li et li vient 2.54 comparé à j'ai prévu qui tape 2.37. donc une nouvelle earning per share là c'est une nouvelle qui soit garder PE ratio Tesla par exemple gounya li vraiment haut. Donc là où gon earning per share qui ça veut dire qui pique gros de temps en temps, ça veut dire ou gain plus scope pour chaque share ou gain. Donc c'est une bagaille qui a montré tout que compagnie la prend valeur et on bagaille tout penser au futur que PE ratio Tesla gain pour le descendre et en plus que compagnie a grandi plus. Donc une bagaille qui était sorti dans meeting là c'est que malgré yo bat earning et revenu yo te prévoir, mais yo dit comme ça et supply chain nan, ça veut dire pas gain matériel pour yo travail, c'est une pi gros problème qui yo te gagne. Donc imagine si pas de gain un problème sur chain
Il a fait plus. Il a fait plus. Malgré ça, on ça qui gagne. C'est malgré sa production quatrième et trimestre, là, pas plus mauvais passé ça. Et non, là, il bat imagine à 2,1 billion là. Et puis, m'a regardé toute quantité de machines produites dans troisième, dans quatrième et trimestre, là, il n'est pas mauvais. M'a là, il a augmenté de 70% en rythme et annuel. Donc, ça vient de faire, si m'a regardé et production machine Tesla, quatrième trimestre 2021 par rapport avec quatrième trimestre 2020, donc production machine a augmenté de 70%. Pour quatrième trimestre, elle produit 305 840 machines. Wow. Donc ça vient de faire que li, et si pas de crise et supply chain, l'État pratiquement est chargé. Il y a nous parlé ça dans une vidéo, nous t'ai dit que supply chain crisis là, c'est un bagage qui détermine la question inflation. Et nous dit que Fed là, c'est vrai, la réduit liquidité et monter taux d'intérêt car aider combattre inflation. Mais nous pensons que choc d'offre là, li doué en quelque sorte et résoudre. Parce que depuis qu'il y a un choc d'offre en économie, comme si il y a une prêt toujours augmenter, ap still toujours gagner inflation. Et moi, c'est que l'autorité doit faire en sorte que, comme si, pour y résoudre question supply chain crisis. Là. Yep, yep. Et là, nous avons parlé de supply chain. Non, faut que nous connaissons que nous avons besoin de matériel pour le travail. C'est un bon créole là, c'est ça. Parce que regardez, il y a une bagaille qui est plus importante dans la machine, c'est chips. Qu'on y a plus fort, malgré que les États-Unis aient créé le système chip là, qu'on y a obligé de dépendre de China pour y joindre les chips. Donc, je pense que pas trop longtemps, Biden t'a parlé de ça, donc je pense que dans le jour qui vient, ou bien doit pas étonnant ouais en pilote compagnie ici de commencer à produire chip et en grande quantité tout. That's merci ça va vraiment vraiment bon. Et oui, n'a tombé dans quatrième point qui c'est best mover pour jeudi. A best mover n'a toujours présenté. Raison qui fait que n'a toujours présenté best mover c'est parce que best mover et ça le dit c'est stock qui était plus bien performé pendant la journée donc ou même sous prend stock ça yo et sous prend stock ça yo et moi c'est que wa fait belle exactement. OK. On y a là nous gagne 5 ndegadi jeudi à SP 500 là gagne 5 stock qui pratiquement overperform le gagne Corning Inc qui sont compagnie qui spécialisé et son compagnie technologique liée qui spécialisé dans la question données technologiques. Nous avons ADM, qui c'est Oracle Daniel Company, qui a augmenté de 5,70%. Nous avons Broadcom Inc. qui a augmenté de 4,30%. Nous avons Teradyne qui a augmenté de 3,67%. Et nous avons Microsoft qui, bien sûr, a augmenté de 0,84%. Et une compagnie qui a été bien attention à nous, c'est Corning Inc. Ça fait augmenter de 11,5% jeudi. Hein, parce que jeudi, l'entreprise a présenté rapport li, et rapport li et bat et estimation. Yo. Premier bagay, et earning per share et de 3,7 dollars. Et bien après ça, et doit dire et celle entreprise là li augmenté li c'est 3,4 millions l'autre bail pour nous pour constater celle yo ça veut dire vente entreprise là li augmenté de 25% par rapport avec année 2020 profit entreprise là
li augmente de 137% par rapport avec année 2020. Donc, imaginons entreprise, profil augmente de 137% par rapport avec année 2020. Donc, entreprise nan li pratiquement en santé. C'est raison ça qui fait que comme si, c'est raison ça qui fait que investisseur yo t'es plongé sous lit et bien pour t'acheter. Moi c'est que l'autre bagage que n'a bien pour faire dans prochain vidéo c'est bay moun yo qui stock nous penser qui ca bien performer dans journée qui a venir d'après analyse que nous fait. Vous comprenez? Yep, peut-être que comme si les moun a suivre et il y a baby stock ça a monté et puis il a bénéficié de comme si pourcentage de croissance là. Moi c'est que à partir de cette première session et lundi l'autre semaine moi c'est n'a fait ça chaque session n'a fait n'a bailler deux ou bien trois stocks nous penser qu'il y a une potentialité pour augmenter dans journée qui a venir. Bon ça qui arrive nous tromper nous mais quand même n'a bailler mais pour qui raison nous penser et ça bon, parce que nous c'est monde c'est pas comme si nous pas acheter stock là mais n'a bailler analyse qui fait nous penser ça. Et puis, qui indicateur technique qui permet de nous justifier position. Par contre, tu n'as pas ajouté ton bagage dans Best Mover pour ne pas se rendre ni point. Je pense que tu dis tout le bagage dans Best Mover. Et y a Best Mover qui m'a déjà tout. C'est Groupon qui monte à une affaire de 20%. Je dis, et après le market la fin fermé, il monte 4%. Ça veut dire en total 24%. Et là n'a regardé et par exemple qui gens et yo classifié à partir de données et fondamentales yo son market qui 5 star et des pour 5 star là de 1 star c'est plus cher 5 star là c'est qui cheap avait dit bien content dit que dans l'autre semaine n'a venir avec des stocks nous pensons qu'à performer bien dans le market là, on a demandé mon yo, c'est pas financial advice que on a buy, c'est juste pour entertainment purposes et donc market là on doit responsable, pas jamais dans des démons nous pas même qu'on est pour prendre décision, mais cependant nous t'a souhaité que mon yo continue brancher pour yo ka et éduquer tête yo dans façon yo même y a pour choisir stock par yo. Eh bien moi c'est que c'est tout. N'a passé directement dans 5 et bagay moun doit connait avant yo investi. Bambo, ça me sélectionné pour me dire soit penser de 5. Okay. Est-ce que ou même tout penser est-ce que penser 5 ça yo c'est yo censé pour mondial. Bon pour me dire nous ça c'est avis pam et si lui même il fait 5 pal, il t'a bien avis pal et exactement. Premier ça c'est check your emotion. À la door. Donc, ça rien fait comme si mesurer émotion login pour investir. Deuxième, ça me dit comme ça, pick companies, not stock. Si l'on dit pick companies, not stock, non, c'est que pas seulement prendre action, mais garder compagnie, garder valeur intrinsèque compagnie. Est-ce que business model compagnie viable dans le futur? Yeah. Est-ce que ce compagnie comme si qui a appelé pour l'irriter? Donc, c'est ça comme dit, pick companies. Not stocks. Yep, that's maybe plan ahead for panicky times. Plan ahead nan sa vin fait que et panicky times nan c'est ap toujours gen moment côté comme si market là et ap baisser. Ap toujours gen moment comme si ap gen sell off. On dit ou planifier comme si avant que comme si moment ça arrive. Comment ka planifier avant que moment ça arrive? Et sous son trader comme si quoi faire et trade intraday si que comme sous qu'on est pas bon réunion fait et que comme sous qu'on est réunion fait dans le cas hawkish li ka la cause market la baisse clôturer trade yo tant la fin passé après son entrée ou bien son ka fait tout sous qu'on est pas bien volatilité parier sur volatilité acheter vite ou bien acheter compagnie à la baisse yo tout en aussi ou lieu faire un call you fait un put option exactement donc ça c'est ça plein de donc pas blé marché boursier c'est monde qui est intelligent qui réussit donc sous pas planifier ça qui va arriver pour bien anticiper on a perdu et on a perdu pratiquement gros et puis build your stock position with some minimum of risk ça fait parce que ça crée un minimum of risk là. Si que comme si vous toujours prétendez, c'est comme si c'est bon trade pour faire,
se fok ou sur de bay la 100%, ou pa bien pran ken position. Donc, fok ou riske quand même. Exactement. Si a son risque ou pran, soit prétend comme si tout stock ou pas acheté, c'est stock et moi pas besoin de acheter stock ou de mettre al carougan, dire grand bon. Parce que stock market là il y a toujours des déviations à des moments côté que comme si vous achetez vous perdez donc toujours acheter là avec moi c'est que comme si l'on maintenant perd tout il y a un petit minimum de risque ça fait que comme si l'on perdu ou plus tourner par rapport avec risque là émotion pas fin trop et où les voisins maison là et puis me dit avoid trading over act. Et qui s'en explique par avoid trading over activity? You feel fell? Ah, you are by la BC, you couri van. Pour la CO la augmenter, you couri acheter. Donc, l'aime dit over activity. Comme si, ça a fait à con, et comme si, et white decision, comme si, pour pas payer comme si, à faire, et on même presque, pratiquement, on activité en même temps. Donc, be calm, soyez calme. Et bien après ça, éviter pour faire trading avec émotion. Je suis d'accord avec Saint-Pablo et je suis d'accord ajouter quelques graines et bagages que je connais avant d'investir. Mon cher, je pense que 5 points ça, vous parlez éviter émotion, trop émotionnel dans le market. C'est 5 points ça, vous mentionnez, yo vraiment important. Et puis tout, et nous avons dit, ou parler de ça tout avant investir dans le market là on t'a dû définir tout est-ce qu'on sont trader ou bien est-ce qu'on sont investor donc si on sont investor tout bagaille fédéral a passé là yo pas besoin préoccuper tout donc son trader ou doit connait ça qui passé au jour le jour moi c'est trader et bien que yo, analyse technique yo bon tout donc yo besoin plus qu'on est fondamental ça veut dire conviction dans market là c'est une bagaille qu'a fort réussi une bagaille pour m'a présumé dans toute sorte d'un hier jeudi m'a entendu Steve Harvey qui a parlé de succès il dit succès li barré par un glass ceiling là il dit pour joindre succès à foka craser glace là. Donc l'ocrase glace là gen sang ka bay tout ça veut dire gen ou espérer que ou ka blessé donc une fois que ou blessé donc mais ça déjà connaît ocrase barrière ça que t'impose ou succès et même Jean market là on considère pour faire succès dans market là faut qu'on expect que ou a gen perte là-dedans. En pile fois mon yo dit oh m'pa bet comme moi nan bay perdu cependant yo pa considère yo pa les ou lage kob la nan bank la nan 5 ans kob sa pa vo rien avec dou pa perdu nan façon ça ou perdu nan façon ça et kob sa met nan bank la ou gen doit prendre la garantie le tout à la fin m'ta pa jeter pour moi c'est que et kob ou met nan bank la premier bagay ki a et comme ça c'est inflation. Et imagine pour un taux d'intérêt et vous dire yield 1%. Et puis quand ça crase, c'est que libor yield 1% et inflation lui-même lui augmenter de 7%. Vous en avez dit, donc ça fait que comme si quand vous mettez dans le banque là, et lui baisse de moins 6%. Yep. Ah oui, n'a n'importe quoi. Ça fait comme si décision pour vous mettre comme là dans banque, elle pense il pense moins investment, doit ça maison là. Non, j'aime content et parler ça nous fait. Donc m'pense n'a retourner demain si Dieu veut avec une nouvelle vidéo et nous demander mon Dieu s'il vous plaît, gardez-nous, partagez vidéo ça pour en pile à pour nous apprendre en pile l'autre monde de activité. Et ce qui a passé sur le marché boursier et comme ça tout nous qui doit venir n'a participer poser question comme ça tout n'a répondre question bye tout le monde et à la prochaine ciao.